Monsieur Dia, bonjour, comment allez-vous? Seamless, on y a vu que du feu. Ah, ça va, ouais, incroyable. Ouais. De retour dans Ah, cette scène trop classe. présidence en coop, et ça Ah fait oui. longtemps qu'on s'est pas vu, comment tu vas? Ah oui. Ah, mais t'es déjà là? Alors, J'ai pas fait 800 exactement, je km comme suis ça. à. Ah si, je suis à côté. Ah si, Incroyable. effectivement, j'ai démarré, j'étais à 1000 mètres, mais en fait, Bon, je suis enfin. déjà là. Bon, alors, j'arrive comme je peux, hein. Il y a quelques débris sur la route, mais on est là, hein. On improvise, on trouve des stratégies, on s'adapte, enfin, je veux dire, voilà. La fin Ah, du cette monde, la conduite est matrice. impressionnante. Tout à fait, tout à fait. Là, j'essaie de revenir à des choses simples, la nature, Oh là là, mais incroyable. en voiture de sport, tu vois. C'est Michel adaptons-nous. Vaillant, êtes-vous? Alors, attendez, J'aime beaucoup monsieur le fait qu'on Dia. ait des tenues de daron comme ça. Comment ça va? Ah, on a C'est toujours tellement les moi. tenues de l'époque! Oui, mais Oh, c'est trop bien. damn! Le retour de la Le vieux daron. présidence. Alors, monsieur Dia, Incroyable. attendez, je me rappelais plus. Oui. Comment ça fonctionnait le jeu? Ok. Tu peux appuyer sur Tab pour Ouais, voir c'est comme le 3 le en menu avec fait. les améliorations, le quête, tout ça, où est-ce qu'il remplace C'est le comme le téléphone. 3, ouais, voilà, exactement. Et du coup, nous avions des quêtes pour nous en sortir dans ce monde qui est celui de la matrice, et il fallait qu'on apprenne les règles. C'est le moment d'accélérer un petit peu le rythme. Allons-y, lancer l'objectif. Ah, Dia n'est pas disponible. Très bien, monsieur Dia. Ah merde, je sors du menu, je sors du menu. C'est Lancer la bon. mission, oui. Est-ce que monsieur Dia est disponible? Monsieur Dia est disponible, Mais. parfait, que se passe-t-il? Est-ce que monsieur Dia daigne être disponible? Oh, je te jure. Ah, du code! Waouh! De l'informatique! Des chiffres! Des zéros! Des 1! Encore Me des parle 0! pas! Encore de 1! Oui? Et des 12! Oh, t'as vraiment bien fait de nous faire choisir ce jeu, hein. Oh, tout à fait! Oh! J'ai un magnum de l'espace! Ah, d'accord, j'ai un magnum qui est en fait un pistolet laser! À partir de là, C'est on est bien. impressionnant. Alors attendez, trouver un cluster de données. Allons-y. Ah, les données. Allons-y, L'informatique, les allons-y. 0, les 1, les 12. Bon alors par contre, moi du coup, YouTube, je vais avoir besoin de réapprendre à jouer, hein, parce que la manette essaye de se déconnecter tout le temps, donc c'est chiant. Donc au bout du compte, on va jouer clavier-souris, hein, donc on va Ça réapprendre va les tout bases. créer, t'inquiète. T'inquiète, j'ai fait tout Saints Row 3 en clavier souris. Ah mais je m'inquiète justement. Sachez-le. Tout va bien se passer. Tout va bien se Ah bah, ce passer, qui on est beau, verra c'est que bien. peu importe le périphérique, t'as choisi de ne pas suivre le GPS, hein, Écoute, j'ai dit que je reprendrai le contrôle de mon corps et avant Tourner tout à de mon droite. esprit. Non, t'es pas envie. Non, pas là. Tu l'as vu, Tous en scène 2, où à un moment t'as une scène avec la secrétaire d'un des persos principaux. Et c'est son patron qui dit à la secrétaire: oui, tu dois absolument me trouver quelqu'un. Et du coup, la nana, elle prend la voiture et elle va à l'autre bout du pays. Et elle écoute du. Ah, comment ça s'appelle? Ceux qui chantent Everybody's gone to Nepal, every good. C'est qui ce groupe-là? Je Je m'en sais rappelle plus. pas, moi. Bon, bref, et elle chante et tout machin. Et à un moment, t'as le radar, il dit, enfin le GPS, il dit: tournez à droite. Elle est au milieu de nulle part et elle tape son meilleur drift sur la droite en plein milieu des champs. Et genre c'est trop drôle. Ça me fait exactement penser à cette situation, qui est exactement Bien la sûr. même. Nous sommes des Bien sûr, bah, animaux, je suis toi, un le lézard. GPS et le fait d'écouter. Bien sûr, la campagne, la nature, le retour à une vie simple, la voiture de sport surtout. Alors attends, il fallait trouver un cluster de données, c'est par où? Ouais, t'en as fait un, il en reste deux. Ah, d'accord, mais en fait y a rien à faire, faut juste aller dessus. Faut aller dessus, ouais. D'accord, c'est de la merde. Je Faut le pensais trouver. qu'il Ah, il est faudrait. là, il est là, il est là. D'accord. On essaye de capter. On fait une Ah, bah, en fait. recherche par triangulation. Ah, triangulation, bien sûr, parce que trois points qui permettent de faire des NAA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 
Bah du coup je suis pas du tout le scénar, hein. Le méchant s'appelle Zignac, on est dans la matrice, on trouve c'est des Zignac, points relais, ça. Et what the fuck? What the fuck? Ah je suis dans le mur. What the fuck? Envole-moi! Emporte-moi! Vers le pays imaginaire! Il y a un problème ici. Ah bon, c'est quoi qui te fait dire ça? C'est la couleur, les murs? Les textures qui s'envolent? Les murs qui se barrent? Il y a un problème. Ah, je Mon vois ce que tu veux détective. Dire. Me fait penser qu'il y a un problème. Accès de menu pouvoir avec tab. Le menu pouvoir, attends, quoi? Accès de menu pouvoir, c'est en haut à droite. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec super les sprint, capacités. Super saut, il y a des actifs et des passifs. Alors attends, bah du coup moi je partirais sur le super sprint. Moi aussi. L'occasion de courir au moins aussi vite qu'une bagnole à un moment du jeu et ça serait cool. Plus vite que les voitures avec le super sprint. Oui. C'est avec quoi? C'est les points avec les cercles. D'accord. Alors attends. Accepté. Mais en fait j'accepte. On peut prendre les deux. On peut prendre les deux. Ah bon? Ouais ouais. Incroyable. Ce que j'étais en train de me dire, mais là je viens de prendre super saut et super sprint. Mais je comprends pas, c'est des matière points de espace. Quoi? C'est pas des points de niveau genre? Attends, comment c'est on fait? Des points avec des barres verticales. Comment tu fais le Est-ce super saut? Est-ce que ce serait pas genre les en fait ce qu'on vient de faire tout simplement les trucs de données là, les clusters de données. Là on ouais. a une quête où on passait de l'un à l'autre et on en a chopé 4 au total, du coup ça fait 2x2 pour choper les deux pouvoirs là. Ah vous êtes intelligent. Et là ça fait genre oh là là la mission c'est rigolo mais c'est un peu bizarre et en fait c'est juste que par la suite dans la ville il y en aura et il faudra aller réussir à les trouver ou un truc comme ça. Ah c'est possible oui. Ça fera des points de compétences. D'avoir des espèces de super pouvoirs, devenir mais un super pouvoir. Pour devenir un super président, un super scientifique. Devenir un super moi. Ah mon dieu, il s'était rien passé jusqu'au moment où t'as quitté ton interface. Mon perso il ne faisait rien et tout à coup il a eu une décharge électromagnétique. Un mélange de 0 et de chiffres. J'aime beaucoup comment l'accent revient avec électromagnétique. C'est ça, oula. Oh mais je reconnais ça. Magneto, t'es où? Ah non c'est pas Magneto, c'est Morbius. Non c'est pas Morbius, comment il s'appelle? Oh merde. Le sage dans Matrix. C'est le sage c'est dans pas Neo. Matrix. C'est pas Neo. C'est pas Rafiki, comment il s'appelle L'homme qui mélangeait les univers à l'infini. La dame là du coup. Non, le black. Avec la pilule rouge et la pilule bleue. D'accord. Je m'entends du début quoi. Oui, c'est pas Morpheus. Rafiki, comment il s'appelle Morpheus, merci. Morpheus. On peut courir sur les murs. Oh. Alors on peut pas courir sur les murs mais on peut faire au moins un truc aussi stylé. Ah, on peut sauter sur les murs. Oui. Nya. Oui, saute sur mes pecs. Quoi? Oh oui. T'imagines que hop. Là, vraiment, je lève ma chemise, il y a au moins autant d'abdos que cet immeuble à l'étage. Ça, c'est lâche. Ça, c'est quand j'ai été au Mont Fuji, je t'en avais parlé. Avec Rafiki, justement, ouais. Ça y est, je commence à refaire du lien dans mes souvenirs. Bien sûr. Un grand voyage implique de grandes responsabilités, qu'il me disait. Nya. Je chue, Dia. Ah c'est non, bon. Il chue. Oh la vache, ça c'est la formation présidence de base. Hein. C'est vraiment, t'as ça pour tous les plus grands. Hein. Washington. C'est tout. Le reste, ils ont pas eu. Lincoln, il était chasseur de vampires, donc il avait pas ça, tu vois. Bien c'est, sûr. C'est un autre bail. Kennedy, il était sur le point de l'avoir. Kennedy, ouais, je crois, ouais. Mais il était dans sa voiture, là. Et le problème? Ouais, il avait pas encore signé la constitution d'indépendance. D'accord. Bah c'est des parcours en fait. Oui, mais du parcours avec un AK. Comme Kazma. Oui, c'est un mini-jeu. C'est un putain de mini-jeu. 15, c'est 25, 40. Push les orbes de super boost pour accélérer. Push les orbes de super boost. Ok. Oh, c'est la course. C'est la course. Est-ce qu'on défonce les voitures? Ah, on défonce les voitures. Si, on défonce les voitures. On défonce les voitures, c'est ce que je voulais savoir. Ah, merveilleux. Wouhou mais tu vas tellement plus vite que moi, c'est incroyable. Parce que je prends les orbes vertes. Ah, attends, pardon, je t'en laisse. Parce que je suis à 90% de super boost là. Il va exploser. Je te jure. Le mec qui court, c'est Happy Few Friends. La. Oh, il le fait bien. Oui. Oh, c'est impressionnant. Oh mon dieu, je suis à 100% de super boost. Allez, plus que 3. Allez. J'aime beaucoup comment on fait un truc extrêmement stylé avec des super pouvoirs. Nya. Oui, je t'écoute. Mais il n'y a pas de musique. Oh, j'avoue. Pourtant d'habitude ça va te perdre dans le jeu.
Nya, c'est bon. Nya. Merde. Oh non, on a loupé l'or. Oh l'or. Oh, j'ai le mort. Nous ne sommes pas des super présidentes en or. Nous sommes des présidents en argent. Tain, mais le pire, c'est que c'était faisable, en fait. Sauf qu'on a perdu. Quel est le facteur parce qui a fait que t'as été gentil avec moi, je pense. Ah, parce que je t'ai attendu, peut-être. Peut-être. Là, on y était presque, hein. On a fait plus de la moitié de l'or. On a fait plus de la moitié de l'or. Ah, si vous t'as filé de l'argent. Vous nous filez l'argent, mais au milieu, vous mettez un petit morceau d'or. Un petit pourcent, tu vois. Du flouze. Du flouze. Ce sera le nom de la monnaie spatiale, le flouze. Le flouze. Comme dans Halo, on affronte des flouzes. On a eu le super print et on a le super crow. Trop bien. Et on a les super ours. Et ça, c'est trop bien. On a un succès qui s'appelle WA. Ah, attends. WA dit le succès. On fait un petit point, voyons voir. Alors, on a 11 610 flouzes. À la ponctuation, c'est ton truc. Endurance, augmenter la longueur de la barre d'endurance. Let's go. Alors, effectivement, du coup, oui, tu penses que le flouze, c'est pour les améliorations. Il faut, du coup, ouais, des points un peu uniques là pour les capacités, c'est ça? Ouais, pour les capacités, bah on a des améliorations de capacités maintenant, comme pour l'amélioration du personnage, et sur le prix, il y a marqué des barres verticales, là. Bah écoute, moi je vais prendre les trucs de base, hein. Plus de santé, oh là là. Plus d'endu. Apparemment, il y a un truc qui s'appelle carnage de piéton, si jamais tu les savates, ils laissent des objets de santé en mourant. La savate, la bagarre. La savate, crie par vos bons présidents. L'affrontement à la française. À la française. Réduction mineure des dégâts causés par les balles et les lasers. Let's go. Heureusement qu'il scie plus le laser, hein, parce que moi j'étais pas chaud à la base. Il y avait pas d'argument vendeur, tu vois. Ah oh, le pistolet dubstep. Je crois que c'était dans le 3, mais c'est dans le 4. Mais non, let's go. Par contre, j'aime bien parce que je viens de déverrouiller l'aptitude nitro. Mais on n'utilisera jamais plus de voiture, on est d'accord. Ça a l'air bien parti pour. Hein. Mais c'est un peu moi ce que je regrette dans le 4, c'est vraiment cet aspect trop super-héros en fait. Genre au bout d'un moment, on sera tellement cheatos que les voitures on sera là en mode, mais ça nous ralentit, tu vois. Ouais, ça me va. Alors, super sprint. Il y a déjà les autres jeux qui offrent les voitures, et là c'est plus un reliquat du fait que ça existe, que c'est dans la ville et ainsi de suite, qu'il y a les voitures. Ils ont voulu faire un autre truc à côté, donc pourquoi pas. Alors apparemment, d'après ce que je vois sur les différents pouvoirs, en fait, t'as les passifs du coup sprint et saut, et tu peux en interne les améliorer encore. Genre, tu peux augmenter la vitesse du sprint de base, des dégâts réduits quand tu cours à fond et qu'on te tire dessus ou que tu défonces un truc. Et pareil, le super saut, charge plus haut, plus d'impulsion. Et je crois qu'à un moment, on aura un truc de ouf. Ah, planer. Voilà, on pourra planer. Et il faut terminer des défis. Un énorme joint. Yeah! La présidence 2.0! Par contre, je vois des chiffres aberrants, genre je vois du 10, du 15 et tout pour les caps. Va falloir faire un point sur comment ça fonctionne. Attends, je regarde la map. Regarde la carte. Actuellement en train de regarder la carte. Ouais, je vois des points, bah, genre des tours. Hein. Des tours, des tours. Où est-ce que tu vois une tour? Ah oui, sur la droite là? Ouais, attends, je sais pas si. Escalade la droite. Tour, GPS. Est-ce que tu vois le point que j'ai mis? Ouais. Alors je te propose d'aller voir la tour parce que s'il faut, peut-être que ça indique. On sera des frères de points d'exclamation, wesh. On va faire des choses de la foi ensemble. On avait des années mathématiques, on a le français. On va faire des points d'exclamation du ref. Ah, en plus ça me va à fond le fait de courir quand même. Ah on peut pas courir à l'infini. Non, parce que justement au début on a l'endurance limitée. Et par la suite on pourra être cheatos. Alors par contre tu sais moi t'as vu ma malédiction où je prends un véhicule et je m'arrête à 300 mètres et je me mets à faire 300 mètres à pied. Ouais. Du coup moi ça me va d'avoir des super sprints. Ok, alors attends, j'ai une super info pour le coup. C'est prototype en fait. Oh j'avoue, c'est tellement prototype pour ceux qui ont joué. Le truc de sauter sur les murs. Ouais, tu vois les points de données là, les portails un peu bleu. Point de données. Les trucs qu'on a récupérés tout à l'heure pour faire la triangulation. Oui. Alors récupère-les. En fait, chaque truc c'est un point pour les super pouvoirs. Oui. Et t'as récupéré celui qui est au-dessus de la maison où t'étais là? Là où il y avait la petite cheminée, oui. Et j'essaie de récupérer celui qui est juste à côté. Sauf que je saute très mal et que je n'arrive pas. Tu l'as récupéré? Attends. Ok. Je l'ai récupéré. Je voulais voir si ça récupérait pour nous deux. Alors attends deux secondes. Là t'en as deux du coup. Ouais, j'en ai deux. Et toi tu en as? Et moi, il y avait marqué cluster 2 en notification quand je l'ai récupéré. Ok, donc je pense qu'on est pas mal. Donc ça récupère pour les deux. On n'est pas obligé d'aller Let's go. Bah écoute, on va aller vers la tour. Et puis entre les deux, on va en récupérer quelques-uns.
Ouais, c'est ça. Et on avait complètement deviné comment ça allait marcher. Extra. Exactement. Ah, prototype, j'avais juste joué au début. Duquel Sur PS3 à l'époque. Le premier? Du premier. Ok. Je l'avais acheté. Il était en solde à un moment donné. Très bon concept, prototype. Bon, ça a un peu vieilli sur beaucoup de choses. Mais par contre, le concept de base est génial. Ouais, et puis c'était la. Pas vraiment une vague quoi, mais il y avait eu tout un élan de du fait d'avoir des super pouvoirs, tu sais. Ah oui. Oui. Avec Infamous aussi. Oh, Infamous, très bien. On en a parlé en plus il y a quelques jours sur ma chaîne. Et du coup ça se mettait bien dans ce cadre-là. Bien sûr, c'est pas du tout le même jeu non plus. Ouais, il y a plein de spécificités et tout, mais rien que la navigation c'était rigolo. Ouais. Alors j'ai une question. Je suis à 7 clusters. Toi aussi ou pas? Je regarde un tab. Oui, je suis à 7 aussi. Ok, parfait, parfait, parfait. Et du coup, je suis. Oh la vache, ah oui, mais la tour en fait, c'est une énorme plateforme. Ah ouais, ouais, c'est une tour spatiale de l'espace. En fait, c'est vraiment. C'est pas une tour. Bah, si, c'est une. Ah oui, t'avais pas regardé bien en haut. si, c'est une tour. C'est bon, c'est une tour. Est-ce que tu valides que c'est une tour? Le conseil s'est réuni. Ah, cluster 9. Non, parce que du coup, sur la route de l'escalade, en fait, t'en as plein des points, donc j'en récupère, tu vois. Bien joué, mec. J'en ai chopé 2-3 sur le côté. Un plaisir, un plaisir. Par contre, comment on fait à partir de là? Ah, quelque chose me dit. Je sais pas si on saute déjà assez haut hein, pour le faire ce truc là. Eh bah écoute, moi j'escalade, hein, ça avance. Je pense qu'on peut avancer pour deux. Ouais, ouais, ouais. T'es passé comment? Bah en gros, t'as plusieurs. Ah, t'es passé sur l'autre là, sur le côté, ok. T'as plusieurs plateformes, vous allez dire, et au bout d'un moment, tu montes une simple tour et puis basta. T'es vraiment un as des jeux vidéo. Non, c'est parce que je suis président! Le President. Ouais, j'ai été trop gourmand, j'ai voulu en sauter un trop 14... haut là. 14. Putain, il y en a plein des clusters sur la route. Et ensuite, t'es passé. Ah oui, ensuite tu peux passer sur le mur, bien sûr. Ah, oh, c'est rigolo comme petite respiration, ça. De quoi? Le côté plateforme. Maintenant qu'on a des pouvoirs pour faire de la plateforme. Ah oui. Bah écoute, les clusters ça monte, hein. J'en suis à 16. Bien joué. Donc ça escalade, ça escalade. Oh, il y a des petits tunnels aussi. Oh là là, oh, je suis ravi, je suis enchanté. Je sais pas à quoi ça va servir, mais je pense que juste sur le fait d'avoir récupéré des clusters, déjà c'est intéressant, tu vois. Nya. Les tours d'obligation, ça aurait été différent si on avait ces pouvoirs là. Tu sais ce que je te propose après, c'est qu'on aille changer de tenue et qu'on se trouve une tenue un peu à la Néo. En hommage à Rafiki. Notre maître à tous. Néo, mais vieux. Néo, mais vieux Néo. Petit Dieu. Ok, 19. Ça en plus l'air contrôle est pas. Il est pas super. Ouais, c'est pas dégueu, plus, c'est pas dégueu, ça va. Il est quand même bien flexible quoi. Ouais. Quand même bien. Ah bien. J'ai fait de la D. C'est bon. Oh non. Bah en Jean-Louis. Fait, j'ai failli faire de la D en mode je vais retomber tout en bas de la ville quoi. D'ailleurs, pour ce qui est du air control, bon ça fonctionne. Mais pour ce qui est des dommages avec la hauteur, genre là si on décide d'atterrir tout en bas de nous-mêmes, on meurt. Bah, je pense qu'il n'y a pas de dégâts de saut. De toute façon, on est dans la matrice. Tu regardes juste si ton perso saigne en arrivant en bas. Tu sais, s'il saigne du nez. On est à 22, 23, allez hop. 24, oh là, ouais, t'es en train de nous 25, faire un stock. 26. En fait, il y en a plein sur le chemin de la tour. Quoi, ouais, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. C'est en fait, genre, on a l'impression qu'on est trop badass, mais il y en a juste si tu suis la route. Ah, moi j'ai l'impression que t'es trop badass parce que 27, moi, je passe derrière toi, tu vois. Donc... Toi, tu ramasses les miettes, toi. Bah, y a pas de miettes, justement, tu manges tellement bien. Ah, ça y est, je suis arrivé à ce qui ressemble à une finalité. Ah, attends, 28. Ah, bien joué, mec. Et. Oh, il y en a plein. Attends, c'est quoi? Cluster 34. Okay. Ah, oui, d'accord, il y en avait 6. Wouah! Ah, ça devient un bleu. Tu as ma cinématique ou pas? Non, j'ai pas de cinématique. Comment dire? Bah, j'ai utilisé un pouvoir de Captain America. J'ai concentré une boule d'énergie dans la tour. Et elle est devenue bleue. Avec un fameux putain CO 1 sur 5. Wouah! Et du coup? Ah, j'ai pas eu droit, mais j'ai réussi à atteindre le point. Et je suis du content. Coup, on est trop balèze. Mais alors, attends, ça a apporté quoi à part des points? Est-ce que ça a apporté autre chose que des points? Regardons la carte. Du coup, il y aura 5 tours à faire, donc on ça fera nous a les donné 5. Quoi comme type de points? Alors, ça a donné les points pour les pouvoirs. D'accord, donc le fait d'atteindre tout en haut, ça a encore un bonus de points pour les pouvoirs. Okay. Ah non, pardon, ça nous a donné une somme d'argent, ça nous a donné genre 7000 okay. Quelque chose. Donc de quoi acheter des fringues, tu vois. C'est comme une petite activité. Ok. Ouais, c'est ça, mais de toute façon, s'il y en a que 5, go les faire en fait. Surtout que, en général, Sensro remercie ce genre d'action et il te file toujours des petits trucs en échange. J'imagine venir chez nous. Merci à vous. Impulsion RN, augmente ta vitesse lors des airs, augmente la hauteur des super sauts chargés. Vas-y, vitesse dans les airs.
Ah, on peut voir les scores sur les courses or, argent, bronze. Et oh oh, fais chier. Tout le type, mec, si mieux. Tu prends saut, impulsion aérienne, je précise, la prochaine upgrade pour 15 points, c'est planer. Alors, si je prends saut... Impulsion aérienne, donc le truc de niveau 1, genre. Impulsion aérienne augmente la vitesse dans les airs en appuyant sur mage. Et par la suite, t'auras du coup la possibilité d'éverrouiller planer. Moi, j'ai 14 points, il me manque 1 point. Et je pourrais l'avoir. Ouais. Alors, attends. Du coup, ce qu'on dans les airs, faire... et plane au-dessus de la ville. Écoute, je vais tenter un suicide, parce que moi, je peux pas planer. Et puis, je vais voir... Je vais tellement mourir. Je vais tellement mourir. Je vais tellement mourir. Dia. Ah. J'ai envie. Mais qui est con. C'est bon, tout va bien. Vous remarquerez qu'au bout d'un moment, peut-être que fut un temps, qu'il y a quelques années, il aurait fait Dia, j'aurais fait oh non, quoi. Mais maintenant, c'est juste j'attends d'avoir l'info et puis après, je paniquerai quoi. Salaud. Salaud, salaud, salaud. On verra. Ouais, c'est ça. Ah, attends, j'ai mon 15ème point, je le vois droit devant. Oh. Ah, par contre, alors, si t'appuies sur accroupi pendant que tu sautes, j'aurais fait un espèce de dash en avant. Ouais. Accroupi, c'est contrôle. Alors, en gros, tu sautes, tu sais, tu fais le super saut. Ensuite, tu fais la flèche au-dessus de contrôle. Et il. Ouais. Merde, putain, j'arrête pas de confondre les boutons. Pardon, j'ai pas habitude d'être clavier souris. Et du coup, ça te fait une impulsion. Bah, l'impulsion aérienne, en fait. Oh, et je plane. Oh, et je plane. Je fais. Tu vois les écureuils, enfin, les espèces de. qui écartent les bras et les jambes pour planer. Tu vois les écureuils. Le mec il a quand même commencé sa phrase par « Est-ce que tu vois les écureuils ?» Ah, la taille du vaisseau là-haut. Merde, attends, j'arrive pas à planer moi. Gigantesque le vaisseau au-dessus là. Mais on les voit bien de loin les tours en plus, hein. Impressionnant. Si je peux me permettre, Dia, est-ce que tu vois les écureuils ? Les Ah, on peut pas planer à l'infini par contre, au bout d'un moment il s'arrête. Ah bah au bout d'un moment, il faut racheter de la console. Alors attends, je veux être un super-héros, sapé comme un super-héros. Ah, c'est pose de personnage. Pose personnage, exactement. Oh, tout il est brillant. C'est vrai que les textures sont pas les mêmes que Saints Row 3 Remastered. J'arrive à pied. Alors du coup, pour ceux qui n'ont pas compris, si vous avez suivi l'aventure sur Saints Row 3 Remastered, il est ressorti après le 4. Donc au niveau graphique, on est là, on est sur quelque chose de moins beau, tu vois. Là, on est sur le jeu de base, mais pas costumes. Sur un remaster. Il n'y a pas eu une IA qui est passée derrière pour filtrer les textures ou quoi. La tenue sim, elle est stylée. On a une espèce de tenue super-héros, mais en version Sense. Elle est méga stylée. Je veux cette tenue. C'est tout toi. C'est tout moi. Je l'avais en version basique, et puis ensuite... Ah non, pas jaune. Et ben, je la veux peut-être pour cet épisode, et puis ensuite, on verra bien ce qu'on prend. qu'est-ce qu'il y a dans les chapeaux? Le vêtement qui se dit « Ah oh, oui, c'est mon jour de gloire !» Oh, oh oui. Ah oui! Ah, je veux ça! Attends! Non, meilleure idée! Ah, j'ai hâte de te montrer! Ah, j'ai hâte! Attends! Ah, merveilleux! Attends, il faut que je fasse le. Oh là là! Oh le mix! Alors, par contre, je vois pas où est le rouge. Ah, si, d'accord, je vois où est le rouge. Monsieur Dia, est-ce que tu es dans le même magasin que moi? Ah oui, je suis dans Nobody Loves Me. Oh là là! Oh, j'ai hâte de te montrer! Oh mon dieu. Franchement, quand tu me verras, t'auras envie de chanter. Je te jure, t'auras envie de chanter mes aventures, tu vois. Ah, comme tous les bardes qui se respectent. Ah, mais là, t'auras peut-être aussi une musique qui reviendra un peu plus qu'une autre. Ah mon dieu, ce flow! J'en ai marre! Ah, j'en ai si marre! J'ai l'impression d'être la version de ratée de Vegeta dans Dragon Ball GT. Oh, une petite moustache. Ok. Comment tu accèdes aux armes? Sans passer par la molette. Aux armes, sans passer par... avec 1, 2, 3, ça marche pas? Avec 1, 2, 3... Ah! Il est vrai. En plus, j'ai un vrai colt de cowboy. Oh damn. J'ai un flow, mais un flow. Je peux tellement pas test. Ok, j'avais acheté un truc, mais c'est pas grave. Oh, je viens d'acheter la super force pour 6000.
Voilà, comme ça, je mettrai des super patates dignes de moi. Ah, j'ai. Je trouve autre chose. Franchement. Faisons autrement. Ah, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Pitié, dis, régale-moi. Je veux voir un super héros digne de toi. Alors, pitié, régale-moi. Alors, petit indice. On est sur le retour d'un personnage qu'on a déjà joué dans Saints Row. Ah ouais ? C'est la version peignoir ? Ah non, attends, un perso qu'on a déjà joué ? Genre un costume qu'on aurait eu lors d'une mission ? Par exemple. Ah, est-ce que ce serait un truc avec... comment il s'appelle ? Nightblade ? Genre la version... comment il s'appelle ? C'est voilà. Le curé. C'est le curé, non ? Oui. Ah mon dieu ! Ah oui ! Le curé et la Japan Expo. Quoi. Ah ! Oh bah les deux pour moi ils sont de la Japan Expo. Hein. Merde, il faut qu'on se trouve des noms de super-héros. Attends, viens à côté, on prend la pause. Ah je screen. Ah pitié. Ah. Attends, il faut qu'il y en ait un, il est accroupi et l'autre il est debout. Voilà, la street. C'est pas grave, vas-y, prends des pauses. Et moi je. Merde, comment on fait des figures ? Je me rappelle plus. Ah, je sais pas ça. D'habitude, je fais des figures à la manette, moi. Ah, c'est horrible, je sais pas comment on fait. Ah ! Oh oui ! Attends, je crois que c'est C. Appuie sur C ! Smooth and sexy. Y'a rien qui va ! Mon perso se casse. Y'a rien qui va ! Ah, c'est parfait. Ah oui. Ah, j'aime ça. Ah, t'as le meilleur perso avec le meilleur move. Oh, so sexy. Je trouve qu'on a trop géré. Allez, tu veux te confesser ? J'ai péché. Allez, vas-y, on va se confesser par là-bas. Ah, oh, c'est parfait, merde. Ah, oh, c'est génial. Alors, attends, monsieur Dia. Donc, oui. On a pas mal de petites choses. On a la suite des missions principales et on a l'instruction simulée. Ah, c'est en gros les tutos des mini-jeux, mais en version Saints Row 4. Tu veux les faire ou pas ? Genre on a acheté des vêtements, améliorer une voiture, faire les bases quoi. Attends, on vient vraiment nous dire faire du shopping alors qu'on en vient ? Ah, il faut aller au magasin type ! Ah pardon ! Il faut aller au super magasin pour les vrais super gens. Incroyable ! Comment tu conserves ta vitesse quand tu fais un saut ? Comment je conserve ma vitesse ? C'est-à-dire ? Genre t'arrives à t'envoyer super lent quand tu fais tes sauts alors que moi ça part très à la verticale. Bah je cours et puis je charge le saut et puis je le relâche. C'est genre tout. Pendant que tu fais maintiens mage, ouais, pendant tu que... maintiens espace enfoncé aussi. Ouais c'est ça, pendant que je cours. Ok. En fait on ne voit pas qui fait l'action de charge mais elle existe. Je te laisse aller au magasin, moi je nous recrute des points. Enfin je nous recrute des points n'importe quoi. Je nous recrute des points pour la bataille des points. Oui monsieur le président. La bataille des chiffres. Les héros, non parce que là de nouveaux vêtements, mais je viens de le faire. Oh. Là, je suis dans une zone où littéralement il y en a partout, donc si tu veux. Alors, je te propose une action qui est incroyable à faire si t'es toujours en extérieur. Alors, tu cours, ok, tu fais la super course. Ensuite, tu fais le super saut, d'accord. Tu engages comme si t'allais planer et t'appuies vers l'arrière. Et en fait, tu vas voir ton personnage faire la bouteille à l'horizontale et à faire du surplace. Quel moment. Merde, ah, je sais pas. En fait faut le faire vite, j'arrive plus à le faire mais l'action était incroyable. Ah merde. Ah je l'ai fait, elle était belle. Si j'y pense je te la montrerai. Genre vraiment mon perso s'est lancé comme si c'était un piqué. Genre tu sais j'ai fait un saut à la natation alors je sais pas faire je sais pas nager. Let's go. Ok de 11. Nya. Bravo. Je l'ai refait, c'est génial ce truc. J'ai acheté de nouveaux vêtements pour la quête. Je pense qu'on aura plus tard une capacité ou un truc qui nous balisera les points manquants. Parce que ça ressemble à une espèce de collectable, tu vois ce que je veux dire. Ok. T'as acheté les vêtements, alors attends, est-ce que ça a avancé la quête? Oui, j'ai essayé la torpille. Ça a avancé, c'est n'importe quoi. La quête pour moi. Oui, on est sur le nouvel objectif de la même quête. Ah, parfait, parfait. Amène un véhicule à Rim Job. Let's go. Ah, tu vois, la torpille, c'est rigolo. Nya. J'aime trop. Nya. Nya. Ah bah là c'est Super Stefano. Super Stefano qui cherche toujours son nom de super héros. Ça va pas du tout. Tiens c'est quoi ça? What? C'est quoi? Ah y'en a un à l'intérieur. Oula. On en est où monsieur Dia dans les quêtes? Il faut ramener un véhicule à Rim Jobs. Je suis en train de... Enfin j'ai un véhicule là, je suis en train de l'amener à Rim Jobs. Ouais je peux te laisser faire pendant que je nous récolte des points. Bien sûr. Très bien. Nya!
J'en suis actuellement à... à 18 et... Oh, il y a une espèce d'attaque de... Alors, tu sais les attaques de gang qu'on avait dans le 3 là? Où il fallait des fois défoncer des groupes de gens. J'ai la même chose mais avec des aliens, je le fais sans toi ou pas? Comme tu veux mec. Ok. Eh ben vas-y, vas-y. Comme ça, il se passera des choses aussi chez moi. Qu'actuellement, genre on doit se faire chier chez moi. Achète une amélioration de véhicule. Oh! Je mets des super patates! Amène un véhicule à Rimjab, mais j'ai déjà. Si tu fais la super course et que tu fais des attaques de prise là, genre il fait des super prises. Des super prises. Oh let's go. Par contre genre il se passe tellement de super trucs que je vois super rien. Il me dit d'amener un véhicule à Rimjab. Je viens de ramener un véhicule à Rimjab et je peux pas sortir de Rimjab avec le véhicule. Alors pourquoi la police est contre moi alors qu'il y a des extraterrestres? Ah d'accord, la police vient de se transformer en extraterrestre. On est dans Terminator. Rien ne va. D'ailleurs j'ai appris qu'en québécois Terminator on disait Terminator. Le Terminator, c'est beau quand même. Oh, plutôt cohérent. Achète une amélioration. Ok, j'ai libéré comment la zone. Une amélioration zone d'action effacée. Let's go. Vas-y, je te rejoins. Et sur la route, je check. Nya, s'il n'y a pas des super prints. Bon, de toute façon, on fera pas le 100% YouTube. Hein. C'est juste vraiment pour avoir des super joujoux pour faire des super débilités. C'est en ça? Faut refroidir l'arme. Oui. Ça marche pas, mais non, j'ai un problème, chef. On a vraiment pas les mêmes problèmes. Hein. Il y a un super Vegeta à moustache qui combat le super crime. Et il y en a, il est là. Alors, la finance. Mais non, mais il me dit d'amener des véhicules. Et puis, j'amène des véhicules. Et puis, quand j'amène des véhicules, il ferme les portes. Et puis, après, il me dit achète une amélioration. Et puis, un coup, il y a un objectif qui devient l'un. Après, il redevient l'autre. Mm-hmm. C'est insupportable. Étrange. Mais du coup, il faut que je le fasse en étant dans le véhicule. Nya. Ok. Par contre, on en parle des citoyens américains là qui ont tous un point d'énergie sur leur toit. C'est quoi ça? J'ai trouvé un endroit, c'est trop bizarre. Genre t'as un arbre et en fait tout autour t'as le sol qui est craquelé comme s'il y avait une espèce d'éruption volcanique. Et en fait à la place t'as des t'as d'énergie un peu bleue là. Donc peut-être qu'on pourra faire un espèce de super coup de poing au sol et creuser avec nos super poings. Mais comment j'achète une amélioration de véhicule? Si tu mets la voiture dedans? Ouais, mais j'ai deux voitures dedans là. Attends, quoi? Le problème vient peut-être de là. Mais non, mais quand j'en avais qu'une seule, il y avait déjà le souci. Alors attends, j'arrive. Et quand je m'éloigne vers le comptoir. Vers le comptoir? Il me dit, ah bah, amène un véhicule. J'ai vraiment l'impression d'être Hulk. Le véhicule pour accéder au garage. J'ai vraiment l'impression d'être Hulk, sauf que j'ai une super moustache. Et que je suis plus beau. Quel enfer, bon. J'arrive. On va retirer tout ça. J'arrive. Je fais la bouteille. J'arrive. Oh, et puis il y a les aliens. Là, mais personne. Vous n'intéressez personne. Ok. Bonjour. Je suis super présent. Bonjour. Alors, que se passe-t-il? Alors, ouais, j'avais une voiture. Effectivement, il est vrai. Elle est là. Je la vois. Je suis témoin. D'accord. Oh. Réparé, merci. Oh, on peut monter dans leur super voiture de l'espace là? Je l'amène. Mais elle est coincée cette voiture à la con. Et là, après, on m'a dit, achète une amélioration de véhicule. Oui. Et donc? Et donc, moi, well, je suis très bien. Mais pour acheter l'amélioration, faut que j'aille au comptoir. Ouais, il y a un truc que j'ai pas compris. Normalement, quand tu rentres dans la voiture avec... Bordel, maintenant ça marche. Ah. Récupéré. J'allais dire, normalement, quand tu rentres avec ta voiture, tu peux faire l'upgrade. Comme dans le 3. Hein. Ah, mais dans le 3, c'est moi qui l'avais fait. Oh. Qui me frappe? Pourquoi c'est devenu un camion de poubelle, ton 4x4? C'est la magie. Bah effectivement. Bon attends, je ne comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Du coup, comment est-ce qu'on achète une amélioration de véhicule? Alors, peut-être pas avec un camion de poubelle. Peut-être avec une voiture plus standard, tu vois. Oh, j'ai la même question avec une voiture standard. Hein. Ah, alors attends. Bon, finalement, le comptoir, c'est pour faire pop un véhicule. Je peux te faire pop un véhicule, du coup. Alors, moi surtout, je voudrais... Voilà. Génial, j'allais dire... Ah, attends. Un véhicule. J'ai accès... Merde, j'avais accès à la réparation. Ça veut dire que j'ai accès au... Oui, j'ai déjà fait la réparation, mais... Véhicule non personnalisable. Attends, je sors. Ah! Toi, il y a marqué quelque part véhicule non personnalisable? Ouais, il y a marqué genre que le véhicule était pas du tout bon. Et il y a marqué aussi que c'est la super merdeur, c'est la super gaguerre. Oui, mais pour... Ils essaient de s'amuser. Où est-ce que tu vois qu'on peut personnaliser? Alors, attends, il faut que je conduise. Alors, c'est peut-être un bug, hein. Tu ne peux pas personnaliser la voiture de ton partenaire. Ah bah d'accord.
Oh là là. Bah, décidément, on va s'en sortir. Hein. Alors attendez. Attendez. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la quête. On va prendre la quête, on va faire comme Monsieur Dia et on va personnalisation, améliorer une voiture. Amène un véhicule à Rim Jobs. Alors. Ok, donc j'ai l'introduction, j'ai madame qui me parle de véhicule, tout ça. Là, une voiture. Une voiture de type normal qui roule moins vite que moi. Ah, c'est marrant. Dans oui, nous, monsieur le président. On garde les casques, enfin les chapeaux, tout ça. Avant, on les gardait pas. Et on les gardait pas. Avant, on les gardait pas. Allez! Non disponible pour une raison de notoriété. On est recherché! Et donc en fait, ça nous empêche de faire des trucs. Comment on disparaît aux yeux de la loi? Comment on disparaît aux yeux de la loi? Avant, genre, t'avais des endroits où tu pouvais y aller, tu payais et tu disparaissais. Mais c'était dans le 2. Oh, comment on disparaît? Peut-être changer de fringue? Attends. Viens, on va changer de fringue. Vite fait, genre tu changes de lunettes ou un truc comme ça. Bonjour, bonjour, bienvenue Kazma qui nous rejoigne. C'est un peu la merde, on a du mal à comprendre un peu tout ce qui se passe. Parce que... Oui, puis si les aliens nous laissaient un peu tranquille aussi. Ouais, c'est super compliqué. Mais je sais pas pourquoi ils t'ont embrouillé d'un coup. Ah oui, ils sont détestables. Bien. Ok, parce que je suppose qu'en plus il faut qu'on disparaisse tous les deux genre. Alors, on va dire. C'est poignées. Bon, c'est bon, je suis en réanimation requise. Quoi? Tout va bien, je suis à terre. Quoi? J'arrive, j'arrive. Il est où? Il est où? Hein? J'arrive! Ramène ton pote, 14 secondes! Il est où? Je le vois même pas. Monsieur le président, je. 8 secondes et 220 mètres! C'est mal barré! Putain, le pire, c'est que je te vois. Non! Ah mais du coup attends, vu que t'es mort et qu'on n'est pas réellement en mission, il se passe quoi? Je crois parce qu'on est en mission mais pas vraiment. Je crois que t'as été téléporté. Ah! Enfin la paix. Ah t'es pas recherché toi? Bah maintenant ça a l'air d'aller. Hein. T'as pas les jauges rouges énervées autour de ton radar? Ah si. Ah parce que moi j'allais dire je suis toujours recherché. Ah si, ils arrivent. Comment on fait pour disparaître là? Qu'est-ce que oui? Au secours. Au secours à l'aide, j'ai trouvé un journal audio. Oh, c'est un journal audio du vice-président. C'est qui le vice-président, c'est toi? J'ai trouvé un message de toi, Dia. Sauf que c'est pas toi, genre. C'est David, moi. Ah, ça diminue petit à petit quand on se fait pas voir. Oui, ça d'accord, mais comment on fait pour disparaître concrètement? Parce que là, je suis un super-héros en slip. On est un peu marre. Genre, je sais très me rhabiller. Mais si changer de tenue n'aide pas à baisser la notoriété, comment fait-on? Comment? Comment? Je vous le demande. La question est comment? 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 Garde-robe. costume. Let's go. Alors, laissez-moi disparaître, s'il vous plaît. Ah, écoute, au bout d'un moment, on aura tellement pas trouvé que le jeu va juste nous faire disparaître automatiquement. Hein. Alors moi j'ai plus qu'une barre et demie. Ouais bah en fait on a la même. Écoute, voilà. Ah. Trouve des points. Récupère des améliorations. Et on se retrouve. Je reste concentré sur l'activité parce que si je me disperse. Non non mais y arriver. Je veux dire si t'as des points à récupérer autour, prends-les quoi. Ouais là je suis en train de nager. T'es en train de nager. Nager dans les problèmes, ouais. J'ai pop à l'autre bout alors. Ah d'accord. Du coup, et donc avec tous les super pouvoirs qu'on a, t'es dit viens je vais nager. Bah ouais. Même pas super nager, genre il va juste nager. C'est bon. Peut-être qu'un jour je serai super nager. Super Allons-y. Nager. C'est une voiture. Bon. Alors par la contre, je souhaiterais... Attention, tu vas augmenter notre notoriété. Mais c'est pas facile en même temps, quand tu cours, tu défonces la moitié des véhicules. Allez, une voiture simple, une question simple, une situation... Eh merde. J'ai écrasé quelqu'un et ça fout la notoriété. Bah attends, parce que du coup, si on peut pas custom de véhicule parce qu'on est notoriété... Mais sérieusement, genre je peux pas parce qu'on a une raison de notoriété. Mais sérieusement? T'as un nouveau de notoriété là? Bah j'ai une demi-barre, même pas. Ah, mais c'est nouveau ça. Vas-y toi pour voir. Attends. Non, je t'assure que non, parce qu'on a une demi-barre, on peut pas aller custom une manette. C'est chiant ça. Oi oi oi. Il y a un agent de la police. Attends, on est en train de disparaître. Disparaissons. Ok.
veux-tu bien sortir du garage? J'ai une voiture dedans. J'ai une voiture dans le garage déjà. Veux-tu bien sortir du garage? Allez, c'est bon, allez, ça vite. Performance, je m'en fous. Je m'en fous, voilà, n'importe quoi. Mais quête de merde en fait. Non mais quête de merde, je suis désolé. Surtout pour les voitures dont on se fiche complètement. Hein. Ah bah là pour le coup, oui. Pour le coup, oui. C'est bon? Ça fonctionne? C'est fait. C'est fait. Mission remplie. Est-ce que tu es très heureux? Est-ce que tu vas la garder cette voiture au moins? Bien sûr. Il y a un mec qui vient de t'expulser. Ah, aïe. Il y a un mec qui vient de... Je suis président. Écuré à mes affaires du... Et autre chose. Il y a rien qui va. Enflure. Depuis quand t'as un chapeau de cow-boy? C'était pour les besoins de la quête. Du coup, je suis le prêtre Van Helsing. Il est Van Helsing culte. Il est Van Helsing culte. J'éradique le mal. Sur toutes les planètes et à tous les horizons informatiques. Ah, j'adore. Ah merde. Bon bah c'était bien, hein, non. Tu l'as fini toi la mission? Ouais. Ah non, j'ai instruction simulée encore. Instruction simulée. Ah mais en quelle pourquoi il m'a reset la mission? Oh putain. Bon, je vais acheter une fringue, j'arrive. Waouh, YouTube. On va peut-être faire l'émission ensemble, hein, finalement. YouTube, ouais, y a moyen. YouTube, l'émission, on a essayé de n'importe quoi, hein, c'est terrible. Ah, disons, ouais, je pense qu'ils ont juste pas géré le côté on fait tous les deux des trucs différents, n'importe comment. Non. Mais ils nous ont pas mis dans un carcan aussi bien défini en termes d'interface que ce qu'on avait dans le 3 remaster. Ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure, j'en étais à la même étape que toi. Améliorer la voiture au niveau machin et faites le minimum, tu vois. Ouais, c'est après, pour ça que je parle de carcan défini en termes d'interface, parce que peut-être que l'interface est répliquée, par exemple, et que du coup, moi, vu que j'avançais en objectif, ils t'ont affiché l'autre objectif, mais qu'en termes de logique, c'était pas du tout le cas. Et du coup, ça veut dire que l'affichage n'a pas suivi la logique du système. Déjà, t'as utilisé le mot carcan, moi, à partir de là. Canva. Fais du shopping au Planet Zin. Non mais attends, mais... Oh, bah... j'étais juste pas au bon magasin. Oh, c'est pour vrai. Du coup, j'attends que tu fasses la mission que tu as déjà terminée. Hein? Bah non, je commence. Zia commence une quête que tu as déjà terminée. Mais c'est quoi la quête que tu commences? Je commence pas de quête, l'écoute pas. Je pense que l'interface. Ok. Bah écoute, je vais pas refaire la quête. Justement, moi j'ai rien équipé là pour que tu puisses faire ta quête de ton côté. Ok, alors je te propose qu'on poursuive des instructions simulées. On a exploré la tour, qui était apparemment une quête. Maintenant, on va faire la fraude simulée. Ok? Instructions et simulées. Et je me garde le tuto fringue vêtements. Ah tout oui, ça, d'accord, il y a des... tu choisis directement les objectifs dedans. Ok, ça je crois que vous avez pas encore débloqué les actions pour reset la notoriété. Ah! Eh ben vas-y, objectif à 1700 mètres. Ah, au début de la fraude. Ah, effectivement, il va falloir frauder avec tout ce qui se passe. Hein. Oh, c'est quoi ça? Comment je récupère ça? Il y a une grosse bouboule avec 3 trucs d'énergie. Comment je l'ai? Bravo! Attends, comment je l'ai? Comment que je fais? Ah! Bah, je sais pas. Il y a une grosse bouboule qui a 3 trucs d'énergie, je sais pas comment l'avoir. C'est terrible. Tu fais la zone d'action, menteur. Menteur! Alors, je ne savais pas si tu savais, mais quand on est dans l'eau, on peut quand même faire des super sauts. Oui! Très pratique pour pas avoir besoin de stepper à la mer, enfin au rivage, oui. Ouais. TP à la mer, t'es déjà dans la mer. TP à la mer. TP à la mer. Boîtier de téléportation à la mer. Oh là là là. Non mais ouais, c'est bizarre par contre cette histoire d'activité là, hein. C'est mal foutu. Alors, ouais, qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on s'habitue quoi déjà, parce que c'est assez différent. On peut choisir des objectifs dans les activités, du coup l'activité en elle-même c'est plus un folder qu'autre chose. Alors par contre, Dia, à un moment, va falloir parler plus simple parce que tu es avec un président qui a 10 ans d'ancienneté là, et pourtant il y a des mots qu'il connaît pas. Folder, c'est pour dossier, j'ai fait un anglicisme. Ah d'accord. Ah, monsieur parle franglais, pardon. Voilà, alors que bon, c'est en tant que bon président des États-Unis, je devrais parler français. C'est exactement. Ça c'est pour parler avec la Poutine, ça. On reconnaît. Ah oui, bien sûr, forcément. Oh, une petite Poutine. Oh, j'avoue. Oh, une petite poutine. Oh, une petite poutine. Moi, j'adore le vol façon bouteille. Écoute, je vais à l'objectif, par contre, mais... Et quand tu es une bouteille, est-ce que tu es ouvert au décapsulage? Je suis ouvert à tout ce que tu me proposeras. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas l'objectif. Il y a un dôme rouge démoniaque. C'est démoniaque. C'est rouge, donc c'est la balle. Van Kult, j'ai besoin de tes capacités pour éradiquer le mal. Viens trouver un objet que tu as raté. Ne t'en fais pas. Van Kult, j'ai le concert. Oh merde. Putain, je Van Kult et Végéstache. Je sais pas. J'arrive pas à me trouver un blaze. À l'aide, le chat. Mais est-ce que t'as vraiment besoin d'un blaze? Bien sûr. Est-ce que ton blaze, ce serait pas le blaze? Oh, je suis le blaze. Faites place au blaze et à Van Kult. Ça me va, bonsoir. J'ai atterri pile devant l'objectif. Genre j'ai eu un gros oui ou non pendant que j'étais en train de voler. Mon perso il est tombé comme une brique. Mais laisse tomber quoi. Adrénaline. Poupée de chiffon. Oh. Poupée chiffon. Ah oui. Ah oh, c'est à l'ancienne. C'est la fraude, mais c'est la super fraude. Oh. La super fraude. Le super pouvoir. Le pouvoir de super frauder. Ok, bon, c'est la même chose que dans le 3, mais en plus drôle. Est-ce qu'on peut voler? On peut super se péter la gueule, c'est trop bien. Par contre, oui, les tu points, peux foncer dans les voitures toi-même et ça va augmenter ton prix. Oui. Ah oh, oui. Ah, vas-y, frotti, frotte-moi. Vas-y, frotti, frotte-moi. Je suis Sonic, je roule. Hmm Mec, si tu fais la bouteille, mais qu'ensuite tu fais clic droit, clic gauche super vite en avançant, okay. Tu roules. Tu fais Sonic, tu fais la roue. Quoi ? Attends, j'essaye. Oh, ligne droite. Clic droit, clic gauche. Oh, j'avoue ! Ah, j'avoue ! Ah, ça marche ! Enfin, seulement en ligne droite, oui. Ah. Ouais, par contre, ça marche toujours à l'ancienne, genre vraiment, si tu te fais renverser, ça marche, mais sinon, ça marche. Je viens de chercher. Je viens de chercher, qui me dit. Embarque ! Je suis la Sonic Mobile ! Aïe, putain, je loupe toutes les bagnoles. Il faut qu'on fasse 300 000 ! On est mal barré. Bonjour ! Ah, bonjour ! Oh là là, je vois faire des choses. Ouh. Ok, vas-y. Vas-y, défonce-moi. Vas-y, rentre-moi dedans. Vas-y. Hey, le respect, tu connais. Un camion. Voilà, boum. Ok, bravo. On a déjà eu le niveau de bronze. Oh, je suis dans une benne à ordures. Enfin, j'essaie d'être dans une benne à ordures. Mec, il nous reste encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Excellent. Pour faire... Oh putain, oui, je vous. On a fait les 300 000. Ouais. Ah, je pensais qu'on avait pas réussi. Mais attends, parce que là, faut le truc, c'est que t'es peut-être habitué à ce que je fasse 0 score dans ces activités, mais là, je m'en sors un peu mieux. Non, je suis pas habitué, t'inquiète. Le talent, c'est comme tout, ça se travaille. Ça se travaille de frauder. Super fraude. En tant que président. En tant que président. Ouh. Oh, dommage, ça a pas compté. Je crois que là c'est toi qui est en train de faire tous les points par contre. Hein. Parce que moi je fais du 7000. J'ai un 100 000 en stock là. Oh, oh le bon. Yes. Oh le bon, vas-y. Dis-moi des choses, Dia. Très bien. Tu me dis des choses là? Bah je fais la roue. Il m'a dit très bien. Il m'a plus jamais rien dit. Je lui dis dis-moi des choses, mais il m'a dit très bien. En faisant la roue. 52 000, ok. Oui, bon, faut pas plus hein. J'avoue. Est-ce qu'on a gagné du temps par contre quand on est monté à 800 000 là? Parce qu'ils sont mignons, mais enfin, je veux dire 300 000 pour le bronze, putain, mais c'est n'importe quoi. La super, j'ai un 89 000 qui attend là. Un 89 000, mais pardon. 100 000. Mais pardon. 100 000. Mais Dia, je ne vous reconnais pas. Moi non plus, je ne me reconnais pas. Mais pardon. À l'époque, vous étiez tellement plus sain d'esprit. Maintenant, je suis devenu gymnaste. Ah bah là Mec, si tu vois mon icône de personnage à l'occasion, hésite pas. N'importe quoi. Attends, mais t'es où? Ah, mais si je te vois, mais tu voles quoi. J'ai pas le temps de te suivre. Mec, je suis un ragdoll constant. Mais beau gosse. En vrai, on peut monter à l'argent. Je sais pas si t'as encore atterri, mais là, il nous manque 35 000. J'ai pas atterri, j'ai un 180 000 là. N'atterris pas, Dia. La ville. Dia, n'atterris pas. N'atterris jamais. Wouah, 977 000. Par contre, on n'aura pas l'or, tu vois. L'or, ça risque d'être plus compliqué. Ah, terrible. Mais on s'est bien battu. Alors, sache par contre que si t'actives pas clic gauche, clic droit, tu exploses la voiture en le rentrant dedans. C'est n'importe quoi. Drôle qui dit. Super fraude. Drôle qui dit. Ah, on est à zéro, mais... Oh, c'est comme dans le 2, je te disais. Tant qu'il y en a un, oui, ou deux, ça continue. Et on est en combo tous les deux. En même temps, c'est tout. On est en combo tous les deux.
Si ton combo s'arrête, n'hésite pas à le relancer tout de suite. Vas-y, pour le moment je suis en combo, Ça fonctionne comme moi, le 2. Moi je me suis arrêté déjà deux fois, mais tant que toi t'es en combo ça marche. Tu vois, je t'avais dit, oui tu me disais dans le 3, oui alors machin, monsieur. Je suis à 150 000, 162 000. Excellent. Vas-y, monsieur Dia, reprends s'il te plaît. Reprends, je suis à 200 000. Je vise l'or, monsieur Dia, Je suis à 220 000, je suis arrêté. Monsieur Dia, t'arrêtes pas. Non, je suis arrêté, vite, reprends. Vite. J'ai fait un vieux combo, je fais un vieux 2000. Dia, t'arrêtes pas. On joue à quoi déjà? Je sais pas. Allez. Là, je suis à la roue. Je suis arrêté. T'arrêtes pas. Non. On s'est bien battu. Franchement, de toi à moi, poignée de main, on a bien fraudé. Franchement, ouais. Tu regardes notre perso, t'as l'impression genre on a vraiment mal vécu la phase, mais en vrai, c'était trop bon. Putain, à 200 000 près, on avait l'or. On était presque. Oh, c'est dur. Bravo. Et bah, c'était super plaisant. Blasé et Van Cult, de retour. Fou. Je pense qu'on est abonné à l'argent. Hein. Je pense qu'on est des gens en argent. Ah, je pense. Alors, attends, où en est-on? Apprendre à nuire à la présence alien. Non, c'est pas ça. On a fait fraude simulée. Et du coup, on a ce tank qui est pour toi, ouais. Va au KO tank. Il y a moins d'activité qu'avant, l'impression. Bah, à voir, hein, parce que là, on est encore en train de faire des missions pour nous en présenter. Peut-être qu'il y en a qui vont se débloquer au fur et à mesure du jeu aussi. Ah, peut-être, oui. Peut-être. Bon, écoute, moi, de toute façon, je continue de récupérer des points. C'est YouTube, dis-toi, de toute façon, il faut qu'on le fasse. Hein. C'est aujourd'hui, c'est demain. Vous faites l'or. Non, pas encore. Je suis à 52 points, moi, de réserve. J'en ai un petit peu plus, j'en ai moins dépensé. Ouais, je pense que c'est parce que moi, à un moment, j'ai acheté le plané que j'avais pas. Donc je dois avoir une capacité haute part. J'ai pris le plané aussi. Excusez, hein. Mais peut-être que pour le sprint, t'as plus de trucs que moi. Peut-être. J'attends que tu lances l'action. Moi, je récupère des points. Ça roule. Ah. Très bien. Ouf. Alors. T'as pas attendu trop longtemps. Non, ça va. J'ai récupéré 5-6 points, on est heureux. Oulala, pardon. Clic gauche, clic droit. Bon, pareil qu'avant quoi, clic gauche, clic droit. Pardon. Ah, c'est un laser. On a les meilleures armes du lore sur la fin du jeu, mais dès le début du jeu là. Je te jure. Ah bah, on a déjà le bronze. Ah bah, très heureux. Allez, Dia, combotte. Ah, par contre, tu peux rester appuyé sur le laser si jamais tu savais pas. Oui, et tu peux continuer le laser ouais, en faisant clic gauche en plus. Meilleur bail! Allez, on est déjà à presque 500 000! Mais ça ne veut rien dire! Après, en vrai, ça dure 1 minute 30, hein, donc. Franchement, je suis prêt à excuser la mission dégueulasse de la voiture dans le garage, là. Ah, j'avoue! On l'avait presque oublié. Je suis prêt à l'excuser maintenant. On l'avait oublié même totalement. Eh, mais attends, mais on est dans le même quartier! On est dans le même quartier! Il y a deux temps qui se baladent, là! Incroyable! Ça y est, on est à l'argent, Dia! L'argent! On a l'argent. Ah bah on s'arrête là alors. On s'arrête là alors. Merci à tous pour cette aventure incroyable. On est des mecs en argent, nous ça nous va. On veut pas forcément aller plus loin. On vous retrouve tous les lundis. On arrive plus à se reconnaître après. C'est ça. Par contre, faudra voir. C'est moi, je rapporte pas de points moi. Faudra voir ce que c'est le dôme là. Oh, y a des mecs qui sont enfermés dedans. Ah, c'est bon, Jésus. Ok, Monsieur Dia fonce. Oui. Il nous reste 40 secondes pour faire 100 000. Ce serait dommage de louper là. Franchement, ce serait dommage. Hein. Oh merde. Mais il y a une partie de moi qui est déçue. C'était un peu cheatos là, non? Je crois qu'on a jamais. C'était tellement bon. On a jamais fait aussi vite une activité. Ah, cet énorme défouloir. Ah bah là. Franchement, ils ont repris la base qu'on avait vue dans le jeu d'avant là. Le 3. Ils ont mis des petits twists. Oui, 2-3, pardon, ils ont mis des petits twists pour coller avec la fantasy loufoque du 4 et rendre ça en mode c'est n'importe quoi, on s'en fout un peu. Ouais, c'est ça. Mais au moins c'est plaisant à faire, tu vois, c'est rapide, plaisant, ça fait chier personne. Et du coup, on a obtenu l'overtank. Oh lolo. Alors attends. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Pourquoi il y a monsieur mascotte qui se balade là? Eh bah écoute, moi pour les quêtes secondaires, je suis bon parce que techniquement il me reste à acheter un vêtement, améliorer une voiture. Donc je te propose qu'on dise nique sa mère pour le coup. Monsieur Dia, j'avais pas vu l'heure. On se dit au revoir pour cet épisode et on enchaîne directement avec le prochain? Eh bah faisons. Allez YouTube, à très vite pour la suite où je te promets on fait un peu de scénar. Des bisous! Peut-être. Peut-être.